Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour toi. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment mixer un lead sur FL Studio. Alors, quand je parle de lead, je parle d'une voix de base, en fait. En fait, quand je dis voix de base et lead, alors je parle sur la voix qui est primée, en fait. Alors, je vais vous montrer comment et mixer une voix sur FL Studio. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et de partager et ma page YouTube. Alors, sans vous tarder, maintenant, on passe à la vidéo. Passons à la vidéo maintenant. Alors, d'abord, j'ai mon instrumental. Voilà. Voilà l'instrumental. C'est Stop by Sammy Beat. Alors le BPM c'est 100 et le gamme c'est C majeur. Alors maintenant je vais mettre le BPM 100. Voilà. Je vais delete ça. Je fais Alt Delete. Je vais aller sur Playlist et maintenant je vais draguer mon instrumental. Voilà. Voilà l'instrumental. On va entendre ensemble l'instrumental. On va entendre ensemble l'instrumental. Voilà. Bon bagaille, bon bagaille, bon bagaille. Alors maintenant, je vais prendre mon lead. Voilà. Aujourd'hui, c'est le lead qu'on va mixer. Je vais prendre mon lead. Voilà. Je la passe ici. Et je mets l'instrumental sur. Voilà. Sur le mixeur. Et maintenant, je vais sélectionner les deux. Et je fais un clic gauche sur le piston 1 et maintenant je fais CTRL SHIFT L. Voilà mon instrumental et le lead. Maintenant passons sur le lead. On va entendre le lead. Pas madame pour quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. M'devais tout ça, te v'lais ou pas bonne chance pour m'pouvoir, baby. Une chance pour m'repartir. Non, 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 non. Sentiment pas changé, l'amour pas ébranlé. Avant moi v'lais été, pour l'amour continuer, baby. Moué, baby. Anything. Yeah. Maintenant, je vais sélectionner ma partie de lead. Et voilà. Je vais commencer à mixer ça. Voilà. Alors, pour mixer le lead, alors n'oublie pas de nettoyer pour chercher quelques fréquences nuisibles avec l'EQ. C'est ça le travail de l'EQ. C'est de nettoyer et chercher la fréquence nuisible. Quand je dis la fréquence nuisible, la fréquence qui n'est pas bon à votre oreille. La fréquence qui n'est pas agréable à votre l'oreille. Alors vous connaissez déjà c'est quoi la musique. Et maintenant on va mixer le lead. Pour commencer, je vais prendre Fab Filter pour Q3 pour nettoyer le lead. Maintenant on va play, on va nettoyer ensemble. Pas madame pour quitter, pas madame pour m'aller, baby. Voilà, ici c'est tout, c'est l'image qui apparaît sur le Fab Filter. Maintenant ici vous voyez 582 Hz, ça c'est la partie de mid. Alors
Automatiquement, quand je mets le curseur sur Pas madame pour quitter, l'image pas ici, madame. tout ce qui est apparaître, c'est la fréquence qui est nuisible. Alors, pour nettoyer. Maintenant, pour commencer, je fais un coup bas sur le low frequency. Alors, sur le low frequency, fréquence low. Voilà, low cut. Et je vais draguer pour chercher, pour retirer la fréquence basse. Alors, pour les garçons, je crois que la fréquence basse c'est jusqu'à 100, 110. Et pour les femmes, je crois que c'est à 115, 120, jusqu'à 130. Alors maintenant, on va écouter et on va nettoyer la fréquence. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. Non, 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 non. Sentiment. Je mets ça avec 107. Ok, c'est 107. Je fais un coup bas. Je fais avec 107. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher quelques fréquences qui n'est pas agréable à l'oreille. Maintenant, je fais un clic gauche ici et puis je drague. Je drague et maintenant, je cherche. Je mets ça à 72 et je cherche. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. Mon flair était la vie. Voilà, ça sonne comme une boîte. Maintenant, je vais la mettre à moins 3 dB. Pas trop, moins 2 ou encore moins 3. Voilà. Maintenant, je cherche encore. Pas madame pour me quitter. Voilà. À moins 3. Je mets ça à moins 3. Et maintenant, on continue. On continue. Pas madame pour me quitter, pas madame. On va mettre ça à moins 3. À moins 3. Voilà. Et maintenant, on va chercher sur l'image. Quand je mets le curseur sur l'image, il va nous donner quelques fréquences nuisibles. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. Voilà. Ici, il y a un. On va entendre. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. On met ça à moins 3. Et voilà. Maintenant, entendement de l'homme, c'est du. Je crois que entendement de l'homme, c'est de 20. C'est de 20 Hz à 20 000 Hz. C'est 20 Hz à 20 000 Hz. Alors, l'homme entend à partir de 20 Hz à 20 000 Hz, l'oreille de l'homme. Maintenant, je fais un coup bas sur le high frequency. Ici, je la mets à 72 dB et je vais commencer à chercher quelques high frequency. Pas madame pour me quitter, pas madame. On reste ici. Maintenant, on va booster le high. Alors, quand je retire quelques high frequency, alors le vocal va paraître vraiment
en fait, une sorte, une vocale qui est comme une boîte qui est étouffée. Alors maintenant, je vais booster, le high frequency. Ici, je fais un clic gauche, je drague et je choisis ce petit-là. Pas madame pour me Et quitter, pas voilà. madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. Maintenant, on va entendre ensemble. Avant, voilà, avant, sans des cues. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. Et maintenant, avec les cues. Pas madame pour me quitter. Et maintenant, avec l'instrumental. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. T'es fait toutes sortes de vle ou pas bonne chance pour me prouver, baby. Une chance pour me rêver. Et maintenant, on va faire ça ici dans Challenge. On appelle ça tuto mixage lead. Maintenant, après l'EQ, on va utiliser le compresseur. Je vais utiliser un compresseur qui s'appelle Air Compresseur. Je vais prendre mono. Pourquoi? Parce que j'exporte. Je fais la sortie de la lead sur stéréo. Alors, tous les plugins que je vais utiliser pour le lead, c'est en stéréo. Le threshold, le ratio, le gain, l'attaque et release. Alors, le ratio, je vais mettre ça à 4 pour 1. 4 pour 1. Et le threshold, je vais chercher le dynamique de mon vocal. Je vais chercher le dynamique dans mon lead. Maintenant, je vais play. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. T'es fait toutes sortes de vle ou pas bonne chance pour me prouver, baby. Une chance pour me repartir. Non, 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 non. Sentiment pas changé, l'amour pas ébranlé. Avant, moi, je voulais être pour l'amour continuer, baby, moi. Baby. Je vais camper ici avec moins 14. Maintenant, je vais mettre une attaque de 4,26 et je vais mettre une release de 125. Comme je mets la compression sur le lead, alors ça va diminuer dans le gain, alors dans le volume de la lead. Maintenant, je vais augmenter le volume, je vais augmenter le volume de mon voix. Voilà, je vais mettre ça à 3. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. On va entendre ça sans la compression. Pas madame pour me quitter, pas madame. Et avec. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. T'es fait toutes sortes de vle ou pas bonne chance pour me prouver. Maintenant, je vais utiliser un plugin qui s'appelle le plugin s'appelle DSE. DSE stéréo. Maintenant, je vais chercher un autre VST qui s'appelle plugin pardon qui s'appelle Pass Frequency Stéréo. Maintenant, je vais mettre les deux ensemble pour voir. Pour mon Pass Frequency Stéréo, voilà. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non.
M'deve tout sa te vle ou pa bon chance pou m'prouve m'baby. Yon chance pou m'repati. Non, 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 non. Sentiment pa change, la moun pa pe branle. Avant moi vle rete, pou la moun continue, baby, moué. Maintenant, je fais un clic ici. Je fais un clic droit ici. Un clic gauche, pardon. Et voilà, il va me donner à combien pour cent mon fréquence high. Voilà. C'est à 11603. Maintenant, je vais aller ici. Je vais supprimer. Et voilà, je vais prendre mon DSE. Le frequency là. Le frequency, je vais mettre à 11600. Et voilà, je vais jouer avec le threshold. Pas madame pour me quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. M'devais tout ça, te vle ou pas bon chance pour m'prouver, baby. Yon chance pour m'reparti. Non, 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 non. Et voilà. Maintenant, on va utiliser une autre compresseur qui s'appelle AirVox. Ouais, AirVox. Voilà, AirVox Stereo. Pour le compresseur, je vais mettre ça avec 9. Un gain avec 3. Je vais ici, comme ça. Et voilà, on va entendre 100 AirVox. Pas madame pour nous quitter, pas madame. Et avec le AirVox Stereo. Pas madame pour nous quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. Maintenant, je vais mettre un imager. Imager. Voilà, ouais, mon imager. Stereo imager. Est-ce qu'on stereo imager? Voilà. Ici, comme ça. Et maintenant, je vais mettre un fresh air pour donner plus de fraîcheur avec la avec mon vocal. Pas madame pour nous quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. M'devais tout ça, te vle ou pas bon chance pour m'prouver, baby. Yon chance pour m'ré. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser une autre compresseur. Voilà. C'est un compresseur gate stéréo. Voilà. Je vais mettre ça sur cette chaîne. Pas madame pour nous quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. M'devais tout ça, te vle ou pas bon chance pour m'prouver, baby. Voilà, je vais compresser ici. Ça, c'est pour le gate. Et ici, pour le compresser. Pas madame pour nous quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non. Je vais mettre le ratio à 4.1 ou encore à 3. Je vais augmenter le gain qui est le make-up. Pas madame pour nous quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Oh non, non, non. M'devais tout ça, te vle ou pas bon chance pour m'prouver, baby. Yon chance pour m'reparti. Non, 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 non. Sentiment pas changer, l'amour pas branler. Avant moi vle rete, pour l'amour continuer, baby. Et voilà. Pas madame pour m'quitter, pas madame pour m'aller, baby. Me flairer tes navires. Alors maintenant, c'est comme ça que on fait un mixage de lead sur FL Studio. Alors, pour l'autre vidéo, on va montrer comment mettre le reverb, le delay, et après, on va faire le mastering. Alors, merci de regarder mon vidéo. Et je suis très fier. Et n'hésitez pas de s'abonner avec ma chaîne YouTube, LikeBeat officiel. Sur Instagram, LikeBeat officiel. Et sur Facebook, Les Fils de la Grâce. Et bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo. Pour le reste de la vidéo, le mixage lead sur FL Studio. Ciao, à la prochaine. C'était avec vous, votre professeur LikeBeat officiel. N'hésitez pas de cliquer sur le lien, de partager, de commenter et de liker mon vidéo. Merci.
Merci, merci à vous.